Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble donc, comment avoir au moins 1000 vues dans vos vidéos YouTube. Donc ici, Maxence Rigottier du site Vivre de son site internet.com. Donc là, je suis actuellement à Malte. Hein. Je vous laisse un petit peu visionner la vue par la même occasion. Donc je vous mettrai aussi quelques extraits de Malte en même temps. Donc comme vous voyez, donc le volant est à droite et on roule à gauche. Donc juste avant qu'on voie tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Ça vous permettra de rejoindre plus de 1000 web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Waouh ! Merci une nouvelle fois. Alors ça, c'était un conseil que m'avait donné Pierre Ollier, que vous avez peut-être déjà pu voir, que j'ai interviewé sur la chaîne YouTube récemment. Alors là, c'est quelque chose que vous pouvez appliquer. Donc moi, je vais peut-être le mettre en place. C'est pas sûr à 100%. À chaque fois que je vous fais une vidéo, je mets pas en pratique à 100% tous les conseils que je vous donne parce que c'est en fonction des business, de toutes ces choses, de toutes ces choses-là. Donc étape numéro 1, c'est identifier les groupes publics Facebook. Donc, en fonction de votre thématique, vous vous dites « Waouh, quels sont les groupes publics Facebook ?» Je n'ai pas dit privé, hein, bien public Facebook, où vous allez pouvoir obtenir au moins 1000 membres. Donc, étape 1, identification des groupes publics Facebook. Étape 2, regardez quels sont les groupes qu'il y a au moins 1000 membres. Et étape numéro 3, sélectionnez le top 5 des groupes qui vont être bénéfiques pour vous par le passé. Et étape numéro 4, identifiez les groupes privés Facebook. Si aujourd'hui vous avez déjà investi dans différentes formations, séminaires, coaching et que vous êtes vous-même adhérent dans des groupes privés, puis on peut un petit peu s'entraider entre différents membres. Donc c'est tout bête. Donc quand vous avez fait tout ça, vous avez publié votre vidéo. Donc c'est ce que réalise Pierre Ollier. À chaque fois, il a plus de 1000 vues sur ses vidéos par rapport à l'immobilier. Donc je vous invite à visionner en même temps la vidéo. Donc comment être indépendant financièrement une heure par jour. Donc soit à travers l'immobilier, le blogging ou la bourse. Donc c'était trois piliers qu'on évoquait dans la vidéo, dont deux piliers que moi-même je maîtrise, donc le blogging ou Pierre maîtrise à 100% l'immobilier. Donc ça, c'est les premiers points. Et à chaque fois, donc qu'est-ce que vous faites? Vous faites titre de la vidéo. Donc on prend un exemple tout bête, vous avez un business sur l'immobilier, vous avez réalisé une vidéo où vous expliquez comment réduire de 30% un prêt concernant le financement d'un bien, et vous faites Coucou, je publie cette nouvelle vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne YouTube. Bien, je vous invite à jeter un œil si ça vous intéresse. Hein, ça vous permettra d'apprendre à comment réduire de 30% le financement d'un prêt. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez jeté un œil à la vidéo, je vous invite à la partager tout simplement. Et quand vous vous focalisez sur des groupes publics Facebook qu'il y a, donc grosso modo 1000 membres, 2000 membres, 3000 membres, 5000 membres, 10 000 membres ou plus, vous allez avoir très très rapidement des vues. Donc des vues, ça va être plusieurs centaines de vues, voire milliers de vues en fonction de la thématique de votre business. Et par la même occasion, donc c'est du trafic extrêmement qualifié. Parce que les gens qui sont dans des groupes publics Facebook ou groupes privés, généralement c'est par centre d'intérêt. Donc si vous êtes dans un groupe public Facebook par rapport au tennis, c'est parce que vous jouez au tennis, vous vous intéressez vachement à ce sujet. Et c'est la même chose pour tous les différents thématiques. Et ça vous permet donc d'avoir pas mal de vues assez rapidement. Et vous le savez comme moi, plus vous avez de vues, plus YouTube va vous faire remonter dans les moteurs de recherche, va vous conseiller toutes ces choses-là. Et plus vous avez aussi de boutons like, de partage, tous ces petits détails en question, plus vous allez être remonté dans les classements par rapport à une vidéo précise. Donc, je récapitule pour résumer. Donc, étape numéro 1, identification des groupes publics Facebook. Étape 2, donc vous focalisez au maximum dans des groupes supérieurs à 1000 ou plus, donc 1000 membres ou plus. Et étape 3, prendre un top 5, donc vraiment le top 5 des groupes. Si vous avez un groupe à 15 000 membres, un groupe à 10 000 membres, un groupe à 8 000 membres, un groupe à 6 000 membres, un groupe à 4 000 membres, etc., etc. Le top 5 des groupes où on a le droit de publier un petit peu son contenu, on a le droit d'apporter de la valeur et du coup, par la même occasion, donc d'avoir ce trafic qualifié qui va vous permettre de rentrer dans votre mailing list. Et ensuite, l'étape numéro 4, donc ça, c'est un petit peu l'étape bonus, c'est si
vous êtes dans des groupes privés Facebook parce que vous avez acheté différentes formations, coaching, séminaires, donc publiez également dans ces différents groupes. Ça vous permettra donc d'avoir des vues supplémentaires. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu et que la visite de Malte vous plaît également. Donc là, hop là. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton like juste en dessous et partager la vidéo. Donc merci une nouvelle fois. Donc ce que je vais faire aussi, je vous mettrai dans la vidéo différents extraits de Malte. Comme ça, ça vous permet aussi de visionner en même temps le pays. Donc comme ça, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble Malte, comme j'ai fait déjà différentes vidéos sur le sujet. Et juste avant de vous laisser, juste avant de vous quitter, donc je vous invite à télécharger donc ma vidéo bonus, ma vidéo de bienvenue. Donc comment j'ai gagné donc 71 495 euros avec deux sites web, donc un site de paris sportif, un site de course à pied, donc en 12 mois, donc 6000 euros par mois en 12 mois, c'était il y a quelques années déjà et ça a déjà vraiment augmenté depuis. Donc mettez votre prénom et votre adresse email. Je vous remercie une nouvelle fois. Et si vous visionnez cette vidéo depuis YouTube ou depuis un smartphone, vous dites merci Maxence, il est où ce lien? Tout est dans la description juste en dessous. Il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo YouTube ou encore donc toutes mes formations, toutes les formations que je recommande dans la description juste en dessous. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté pour la vidéo bonus en indiquant votre prénom et votre adresse email. À tout de suite. Bye bye.